Et voilà, bonjour à tous. Bienvenue aussi à 2021. Et voilà, on vient de fêter aussi une fête de fin d'année 2020. C'est une année, ouais, pas comme les autres, avec beaucoup de problèmes sociaux dans le monde entier. Et aujourd'hui, on vous invite aussi à découvrir oui, la baie de Lana. C'est la continuité de la baie de Lan dans le sud-est ouais, du pays. Et aujourd'hui, après 10 jours avec le temps terrible et depuis 2 jours, bah, il faisait aussi un temps splendide avec grand soleil à partir du matin jusqu'à l'aube. Et aujourd'hui, c'est un temps idéal aussi. Parce qu'il fait dehors à peu près 20 degrés avec un peu de vent, grand soleil, fait un temps doux, assez sec et c'est un temps presque idéal pour être dehors. Et comme vous voyez là, donc ça c'est la baie de Lanha et c'est magnifique. Et là je suis maintenant à peu près 300 mètres au sommet d'une colline, donc la vue est vraiment splendide et magnifique. Et là, je vous invite aussi à découvrir le village flottant, le plus beau dans l'ensemble de la baie d'Alan en général. Et comme vous voyez là, donc en dessous de mes pieds, on voit il y a plein aussi des cages et des viviers. Bah, ce sont des piscicultures. Les gens ils font des élevages de presque toutes sortes de poissons. Et ce genre de vie a continué à pratiquer à partir du début du 18e siècle jusqu'à maintenant. Et les descendants de nos jours continuent toujours leur style de vie ancestral. Et c'est une vie intéressante parce que tous les déplacements dans le village, c'est pas en taxi, mais c'est en Uber mobile. Et là, on peut voir aussi ouais, quelques barques et petits bateaux, bah, ce sont des taxis du village pour transporter ouais, les habitants. Et il y a à peu près 800 personnes qui vivent voilà, sur l'eau. Et c'est une vie intéressante. Et ici, les enfants, ils savent nager avant de marcher en fait, voilà. C'est parce que c'est obligatoire. Ouais, c'est une vie au fil de l'eau. Et là maintenant, c'est à peu près 4 heures de l'après-midi. Et la lumière, c'est presque idéale. Voilà. On peut voir toutes les pains de sucre de loin. Et le paysage ici, c'est exceptionnel. Ce sont les montagnes karstiques. Le terme karst dessine aussi les phénomènes d'érosion du calcaire. Et le karst, c'est le mélange entre le schiste et le calcaire. Et avec l'érosion à travers des millions d'années, bah, ça a déformé aussi des montagnes bien solides comme de nos jours. Au début, c'était un ancien plateau calcaire qui a été entaillé par les courants d'eau souterrains. Et puis avec les processus aussi de fragmentation, ça a été fragmenté les plateaux calcaires aussi en morceaux. Et c'est pour ça donc qu'on voit il y a ouais, des milliers de pains de sucre comme ça. Et la formation comme dans la baie de Lanha, c'est presque unique au monde parce que ce sont des rochers qui surgissent de l'eau.
Et le début de ce phénomène, ça a commencé à partir de la province de Yunnan en Chine, à Guilin, sur la Rivalie, avec les montagnes identiques. Et le faille, ça a fait à peu près plus de 2 500 km de long. Ça a commencé à partir de la Chine et ça a fini aussi à l'extrême aussi de Thaïlande et Birmanie. Et voilà la formation unique de géologie et de géomorphologie qui se trouve nulle part dans le monde. La baie de Lanha, c'est vraiment magnifique parce que c'est presque connu par le tourisme de masse. Du coup, c'est très tranquille ici, quoi. Et on voit encore de l'eau là, vous voyez des plages de sable blanc et bien fin. Voilà, ça c'est vraiment idyllique à partir d'ici, quoi. Là, on peut voir encore une fois là. Toutes les maisons flottantes. Si on compte, il y a au total à peu près 800 personnes qui vivent dans le village. Et là, on voit presque tous les villages parce qu'il y a encore plein des maisons qui se cachent. Derrière, dans les criques isolées. Et là, on ne peut pas tout voir, mais ouais, c'est vraiment grandiose, très beau. Et si vous avez l'occasion de vous rendre sur l'île de Cat Bà, n'hésitez pas à nous contacter, à notre agence. Blue Swim Adventure. On va vous donner aussi des informations gratuites à comment faire pour se rendre visite à ce point de vue. Parce que c'est presque inconnu là où je suis. Mais la vue est vraiment exceptionnelle. Voilà. Vous voyez, c'est très beau. Et encore une fois, on vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et bonne année encore en 2020 pour que le Vietnam en particulier et le monde entier aussi, et surtout c'est le monde de francophones. On vous souhaite beaucoup de santé pour votre famille et beaucoup de zénitude. Et un bon équilibre aussi pour réétablir aussi une nouvelle vie après la crise chinoise. Et voilà. Bonne journée et à la prochaine fois alors.